Salut les amis, nous voilà le 1er mars à la plage de Yati Beach. On va changer un petit peu. Il fait très beau, j'ai eu beaucoup de chance parce que cette semaine, n'est-ce pas, il y a eu de la pluie et du froid. Et hier, il y avait à peine 12 degrés, là il y a 20. Donc ici, je ne vous avais pas encore emmené. C'est avant, vous avez Yeti 2 qui est par là-bas où je suis déjà allé. Et là, c'est la plage de Yacht, donc vous avez le club de plongée qui est un peu plus loin là-bas. On va aller faire notre petit tour. Mais je suis vraiment nul, j'ai oublié mon thermomètre. Bon, à quelle andouille, je serais bon pour retourner cet après-midi au port d'Aguirre. Bon, c'est sûr que l'hiver a été très différent de l'année dernière. L'année dernière, j'ai eu à peine une semaine où j'ai pas pu bronzer. Mais là, j'avoue que le mois de février, caille-caille, hein. La clim elle a un peu marché le soir. Regardez, si c'est pas blanc éteint là. Là vous avez tous les hôtels qui sont sur eux. C'est le début de la zone touristique en fait là. La fifille. Là je vous garantis que le sable est très. Ouh, elle a rafraîchi. Hein. La piscine, j'ai regardé ce matin, elle était à 15 alors qu'elle était à 18 il y a quelques jours. Hein. C'est sûr qu'avec le temps qu'il a fait cette semaine, elle a plus que baisser. Et regardez-moi ça un peu, le point de vue qu'on a, n'est-ce pas? Un petit peu de vent, je sais pas ce que ça donnera au niveau du son. Il fait très bon quand même, ça fait du bien. D'ailleurs, on est juste derrière le phare. Je la trouve même plus fraîche qu'au mois de janvier, enfin que début février, on va dire. Donc je suis bon pour retourner cet après-midi à Aguirre, n'est-ce pas? Parce que je viens pour prendre la température, mais je prends pas le thermomètre. Voilà, c'est ça. Comme ça, hein. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Pas tout à fait dégagé, le ciel. Mais bon, ça va. Bon, malgré tout, depuis ça fait 18-19 fois que je suis là maintenant, tous les premiers de mois, j'ai toujours pu aller prendre la température au soleil. J'arrive à tomber entre les gouttes, comme dirait. Plage du Yati. J'ai de la chance depuis que je suis ici. Tous les premiers, il fait beau, c'est bon. Je dois avouer que hier, avant-hier, non seulement il a plu, mais il faisait pas vraiment chaud. Hein. L'année dernière, je suis jamais descendu en dessous de 17 la nuit. Et là, cette année, hier, je crois qu'il y avait 12 dans la journée. Hein. Je suis pas foutu de nez dehors. Hein. À part pour porter un peu de l'aspon sur la terrasse. Là, vous avez le club de plongée, n'est-ce pas? Manger là, il y a du monde tout à l'heure, mais ça doit être l'heure du repas. Bon, je vous reprends tout à l'heure, n'est-ce pas, avec le thermomètre. Bon voilà, je suis retourné à la maison rechercher le petit thermomètre, n'est-ce pas, que j'avais oublié. Donc après la plage du Yati, je suis finalement retourné à mes lieux de prédilection. Il fait dehors 20 degrés, donc ça fait beaucoup de bien. Après, c'est quelques jours vraiment hiverneux, vieux, frais. Donc là, je pense qu'on est reparti pour l'été, quoi. Combien c'est? 16,4. Ce matin, j'ai regardé, elle était à 15. Alors qu'on était à 18 il y a quelques jours, mais vu le temps de cette semaine, c'est sûr que ça a un peu chuté. Hein. Alors comme ça, je vous manque. Ah, attendez le premier, c'est trop long, un mois. Avec un peu de chance cette année, peut-être vous en aurez plus. Peut-être que d'avoir l'esprit un peu plus tranquille, l'affaire se règle petit à petit. Un bon ami follower qui devrait, si tout se passe bien, me ramener le PC qui me permettra de traiter la 4K. Parce que n'est-ce pas, là, pour l'instant, c'est très compliqué. Ouh, qui fait bon. Et hier, j'ai regardé la météo, c'était... Ça prévoyait du beau temps, mais vu le temps qu'on avait, j'avais un peu de... Tout à fait gérable. Tout le monde, j'ai pas envie de veiller. Ça fait 18 mois que je suis là. Oh, on voit pas le temps passer ici, hein, franchement.
après le rythme des saisons n'est pas exactement le même. Et je suis bien content de retourner vers le chaud, hein, parce que ben, j'étais bronzé là, c'est un scandale, hein. Attends, on prenne ma teinte naturelle. Bientôt, là, ces plages-là, je pense que là, il y en a deux au bout de la jetée, je sais pas si vous les voyez. Je pense que rapidement, il y aura plus de monde. Quoique, on n'est pas sur la plage du Yeti, là. C'est pas pareil. Yeti, le Yeti après, Yeti 2. Il fait bon, putain. Je serais presque tombé à la chemise, là. T'as vu le copain? Gentil, gentil. Tu te ramènes la mer? Je sais, je radote. Ça fait du bien de marcher. Parce que l'hiver, moi, ça me réussit pas, hein. Oh là là, j'ai pas fait ma natation, là, tous les jours. Quand c'est bon, bah, j'ai repris du poids, hein. Voilà. Donc, il est temps que ça se calme, parce que... Bonjour! Bon, bientôt, il va falloir que je vous fasse une petite vidéo de terrain, là, parce que, mine de rien, ça commence à pousser, hein. Bon, pas tout, hein, j'ai des pertes. Et alors, par contre, les Washingtoniens, oh, je me régale tous les jours à aller voir pousser. Ils ont des branches en pagaille, les bougainvilliers dur, font vraiment la gueule. Il y en a un qui est crevé, d'autres qui sont pas terribles. J'ai pas de réussite à 100%, hein. J'ai des Vitus Daniel, les trois arbres sur la terrasse, là. Je sais pas si je vais la récupérer, mais ils sont pas terribles, hein. Oh, j'adore. On va aller en bout de jetée aujourd'hui, tiens. Faire un peu d'escalade à la pupille. Et voilà, on est arrivé au bout. Vous savez quoi? Je vais faire un. Peut-être apprécier un peu. C'est pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Faire, non? Voilà, après un petit live sur Instagram pour ceux qui sont au boulot, n'est-ce pas? Après cette prise de température mensuelle, cette petite balade, on va rentrer au Mercury parce que, comme d'habitude, n'est-ce pas, il est quand même 1h20. Donc j'ai un petit peu les crochets. Et puis, il va falloir que je traite tout ça. Je vous confirme, au bout de 18 mois, j'ai trouvé mon coin. Ça me va parfaitement. Voilà, tant que je peux être pieds nus toute l'année, éviter le centre-ville et les zones touristiques au mois d'août. Mais sorti de ça, je suis à mon affaire. Tout va très bien. Ma qualité de vie, coût de la vie, les gens, Djerba la douce. Merci pour vos pouces, évidemment, hein, comme d'habitude. Je préfère le sable que les rochers quand même. Ça pique un petit peu, hein. Hop, on va retourner dans le sable. Et voilà. Fait chaud, j'ai beau être habillé en blanc, il y a plus de vin, hein. Ça me chauffe dans le dos. Ah, il fait meilleur qu'à Lens, hein, je me fais pas dire, hein. Et où elle est, l'autre? Regardez où elle est, hein, collée à mes baskets, toujours, pas besoin que je la cherche. En fait, elle est pas dans mon champ de vision, elle est juste derrière moi, c'est mon ombre. Ah non, elle est devant l'ombre, pardon, c'est vrai, j'ai deux ombres alors. Un petit peu d'algue là, tiens. Oh, quel régal. Ah, c'est une mouette, tiens. Chez moi, il y a beaucoup de corbeaux. Par contre, c'est marrant, ils chantent. Déjà, ils sont énormes. Ça, on a l'impression que ça cancane, comme les canards. Ils ressemblent beaucoup plus à ça que roissement des corbeaux. C'est peut-être fonction de la taille, j'en sais rien. Bonjour. Oh, c'est pas du monde, hein. Tout le monde ne se plaît pas ici, sinon, c'est pas aussi tranquille, hein. Dis-le, c'est beau, hein.
fait, oui, qu'il y en a. Il y en a certainement beaucoup qui aimeraient bien, mais c'est plus compliqué, hein. Et là, il n'y a pas un poil de varech alors qu'avant il y en avait.